Encore un qui s'agite en bas. Attendant qu'il arrive, je vais pouvoir m'occuper de ceux qui sont un peu loin. Ok, nice. Déposé. On va prendre lui. Il faut un peu de temps pour l'enlever de la boîte. Oh mince. Ok, nice. On a l'air globalement pas mal, il y en a encore quelques-uns qui se cachent. Produits chimiques, produits chimiques. Grenades, alliages spéciaux. Poche de sang. Grenade fumigène. Ah, il y a un produit chimique ici qui bouge. Charge. Ça a l'air plutôt bien. Ouais, avec deux armes, on fait ce qu'il faut déjà, on fait le taf. Je sens, alliages spéciaux, alliages spéciaux, bombe neutralisante. Là, je suis en train de snobber les alliages spéciaux, mais peut-être que ce sera le gros truc qu'il faudra que je chope par la suite. Qui sait ? Il y a des trucs bien ici. Marchandises perdues pour l'alpiniste, pour Alex. Poche de sang, résine, métaux. Produits chimiques et des spéciaux. Il y a sang de métal, quoi, c'est sympa. Mais... bon, bon. Je me sens pas assez investi là pour aller en profiter particulièrement. Donc on va se contenter de... on va se contenter de retourner voir la photographe et puis voilà. C'était un bon fight. C'est parti! Parce que pour le moment, l'alliage spécial. Enfin, les alliages spéciaux. Oh merde. Ça passe. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire les refuges. Ce qui est très très cool. Après, c'est vrai que je me balade pas souvent avec ça pour faire un refuge. Les produits chimiques, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une recette qui le demandait pour le moment. Peut-être que c'était juste pas spécialement précisé ou j'ai oublié. Parce que c'est la dernière ressource qu'on a eu disponible, mais elle n'a pas été accompagnée, à mon souvenir, d'une grosse structure qui pourrait être construite à partir de ça. Zoup! On a connecté tellement de gens cet après-midi déjà! Merci! C'est ouf! J'avais peur de ne jamais le revoir. Elle va nous faire un mail, il est vraiment en très bon état! Oh, quel soulagement! Il a l'air dans le même état que la dernière fois. Oh, vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Thank you.
Et bam, la deuxième étoile qui est présente. C'est mon père qui a eu l'idée de venir s'installer ici. Il pensait pouvoir résoudre le mystère du Death Stranding à lui tout seul. Et on était là pour le soutenir. Mais regardez où ça nous a menés. Si vous n'étiez pas arrivé au bon moment, l'appareil photo aurait disparu. Et tout notre travail serait perdu, personne n'en aurait profité. Il n'est pas question que ça arrive. Le monde doit être mis au courant, quelqu'un arrivera bien à comprendre ce que ça signifie. Alors, connectez-nous. On veut faire partie des UCA. Merveilleux. C'est ça que je voulais entendre. Fusil à pompe niveau 1, arme anti-émeute niveau 1. J'espère sincèrement que notre travail permettra de changer les choses. Merci encore. J'espère qu'on se reverra bientôt. La mère à côté en mode ouais. Sam, ici Hartman. Salut Hartman. L'appareil photo que vous avez récupéré contient des clichés absolument fascinants. Les données qu'il renfermait nous ont été transmises automatiquement quand vous avez rattaché l'abri de la photographe au réseau, ainsi que les recherches de son père. Quoi qu'il en soit, mon labo n'a toujours pas de connexion chirale au débit, mais j'ai pu comparer une des images avec la base de données du siège. Donc, d'après mes calculs préliminaires et les preuves photographiques et écrites trouvées dans nos archives, je ferai remonter ces peintures à 30 000 ans environ. Enfin, si ce n'est plus. Elles sont sans doute l'œuvre de Néandertaliens ou d'autres ancêtres préhistoriques qui traversaient le continent. Vous voyez les espèces de dauphins, là? À cette époque, la grotte devait être située encore plus loin de la côte qu'aujourd'hui. Alors comment les artistes auraient-ils pu croiser des dauphins? Réponse, c'est impossible. Ma théorie est qu'ils ont rencontré non pas des dauphins, mais plutôt des échoués. Cela signifierait que ce n'est pas la première fois qu'un phénomène comme le Death Stranding a lieu. On peut dire que c'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Depuis la naissance de notre planète, tout s'explique. Les espèces se sont éteintes. Les bactéries, les dinosaures. Il en parle vraiment. Les scientifiques parlent notamment de 5 grandes extinctions de masse. Mais bien évidemment, il y en a eu beaucoup plus, à plus petite échelle. Et si ces artistes avaient essayé de représenter ce phénomène, celui de leur propre extinction, ce serait la première trace dans l'histoire de la Terre d'un Death Stranding. Et donc, ça prêterait aussi foi à ma théorie. Plus tôt vous viendrez me connecter au réseau, plus tôt nous en aurons le cœur net. Imaginez un peu les mystères que nous pourrons résoudre. Je vous attends, Sam. Oh, Hartman, prochain Gus qu'on va connecter. D'ici très peu de temps, les fonctions vitales du BB-28 auront atteint les paramètres optimaux. Il a même ouvert les yeux, juste avant que je vous appelle. Il a regardé partout autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un. À ce moment-là, ça n'a duré qu'un instant, mais nos regards se sont croisés. Je vous assure, un peu plus et je voulais garder le bébé avec moi. Enfin bref, j'ai encore pas mal d'examens à effectuer et je dois procéder aux ajustements nécessaires. Le problème, c'est que les fluctuations du niveau chiral local pourraient m'en empêcher. Vous pensez que vous pouvez rattacher un site de plus en réseau? Quand vous y serez parvenu, je pourrai vérifier que ce bébé fonctionne correctement, et une fois que ce sera fait, vous pourrez le récupérer. C'est la dernière étape, je vous le promets. Plus qu'un seul site, et ça devrait suffire. Bon courage. Eh bah dis donc. ...120 kilos, bah vas-y mon gars. Je sais pas dans quel état ça varie ton truc, mais... mais bon courage. ...40 kilos, la même. Déploiement du bot...
Ok. Mon objectif. Améliorer l'état du bébé en branchant. Accepter une nouvelle quête auprès de l'alpiniste. Je retourne chez l'alpiniste. C'est d'abord. On va revenir là. Ensuite, il faut que je refasse ce trajet là. En 10 minutes, ça va partir. En 10 minutes, j'ai mon moment. Bon, c'est toujours aussi impressionnant, ça. Remplis la batterie. Et parti. Choper le petit pont. Pour l'alpiniste. Super, bonne ambiance. La musique y a fait ok, on s'en va, ouais, désolé. Si je vais au refuge, peut-être qu'on va arriver dans les 10 minutes là. Là, j'ai peur de faire cette route-là avant que ça disparaisse. On va aller au refuge, là, tranquillement. Sans pression. Ah, ça me rend mes munitions en plus, c'est énorme. Alors, on va prendre une douche quand même. Enfin, l'entretien de Sam. Ok. Est-ce qu'il pleut toujours? Grande question. Visiblement, non. Je peux plus là où je suis, mais c'est dégueulasse ici. Ça fait mal. Bon. Faut réussir à passer quand même. Hein.
Il pleut. Ah, c'est quelques gouttes pour le moment, encore dans la grosse zone pluvieuse. Ah, c'est vrai que j'étais en moto, par contre j'étais pas en camion, j'ai oublié ce petit détail quand j'ai fait ce trajet avant, il me semble. Ah, ça va passer quand même avec le camion. Vraiment, ça a l'air d'aller. Je commence à connaître un minimum la montagne, là, c'est cool. Du moins cette zone. Ça se passe très très bien. Hein. Malgré les précipitations, on est bien, on est large. C'est moi qui ai laissé l'autre camion là. Combien de camions laissés? Sam Bridges. On voudrait vous confier un paquet à livrer. Oh bah original, tiens. Ah, enfin, pardon. Bref, j'ai trouvé cette pierre dans la montagne. Il y a une empreinte de main dessus. Et quand je lui en ai parlé, elle s'est emballée. Franchement, je sais pas quel genre de rencontre surnaturelle ça lui évoque. Mais je me demandais si vous pourriez la lui apporter pour moi. Rejoindre les UCA m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Comme sur tous ces gens qui essaient de comprendre le Death Stranding, chacun à sa façon. C'est vrai que, pour moi, ces idées ressemblent surtout à des délires d'illuminés, mais... ça a manifestement du sens pour elle, et j'aimerais pouvoir l'aider. Enfin, avec un coup de main de votre part, vous trouverez une commande officielle sur le terminal. Je vois très bien. Va pour ça, mon gars. Spirit. Livrez les mystérieux fragments de pierre de l'alpiniste de l'abri 4115 à la spirit de l'abri 4108. Les fragments arborent des empreintes de main, sans doute des indices importants liés au Death Stranding. N'oubliez pas de parler du réseau chiral à la spirit. Au passage. Ah oui, la vache! Il est en véhicule. Ça pèse lourd. Faire l'équipement après. Ouf, c'est dur. C'est très dur.